3, 2, 1, break the wall! J'ai même pas fait. Ça va, c'est bon, ça suffit, ma gueule. C'est nickel. Si vous voulez passer, bord dessus la troisième corde, grâce à la Wrestling Evolution League, la Wildcard, rejoignez-nous pour jouer au jeu de WWE 12. Mesdames et messieurs, c'était Christophe Anus et Papy, et oui, Papy est venu aussi. Bisous les petits enfants. Ces enveloppes, vous voyez, il y en a pas mal. Je te les rends, Clément. Ça va, Ludo? Ça va, et toi? Ça va. Clément, le maître de cérémonie, maître yoga. Oui. Il a tellement rêvé que je la fasse. Hamid. Salut, Gus. Ross. Ça va bien. Sans masque. Ouais, sans masque. Unmasked. Deuxième fois. C'est vrai. Mais Clément, c'est toi qui a donc fait le dépouillement, qui fera du coup aussi, qui annoncera les résultats. Tu es le seul à connaître les résultats. Oui. Nous, on va les commenter. Il n'y a pas eu de triche, il n'y a pas eu de problème. Il y a rien. Tout s'est bien passé, les dépouillements très bien passé. C'est bon, pas de soucis. Combien il y a de catégories? Alors, il y en a 20 en tout. Ça va, c'est pas très très long. Par quoi on va commencer? Par les catégories tout qui. Ça marche. Bon, tu devrais parler là-bas. Ah oui, excusez-moi, oui, c'est vrai que vous me regardez, monsieur dame. Vous étiez au signez-vous. Donc, la première catégorie, donc, la meilleure cover. Ça marche. Des jeux de SVR 2009 jusqu'à tout qui 19. C'est ça. Et du coup, le gagnant? Alors, il y a un top 3 dans chaque catégorie. Il y a un top 3 dans chaque catégorie, d'accord, ça c'est bien, bien de le dire. Troisième, l'édition 2012, 25 points. L'édition de 13, 55 points. Et enfin, premier, SVR 2011, 80 points. Voilà. Êtes-vous étonné un peu de non, c'est la plus classe. Ce résultat? C'est quoi la cover, hein? La cover. La cover. C'était quoi 2011? C'était avec Sheamus. C'était avec Sheamus et tout ça. Il n'y a personne qui peut nous faire une photo là sur ce téléphone. Non, mais eux ils verront dans le montage. Oui, c'est vrai, ouais, c'est pas con. C'est la plus classe, je trouve. De toute façon, c'était la dernière édition avant que ce soit. C'est ça. Moi j'ai voté pour celle avec Punk en premier. Elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Moi j'ai voté pour celle du 14 avec Daniel Bryan. Il y avait eu deux covers. Ah oui, avec Sorok et Daniel Bryan. Moi celle avec Randy Orton, je trouve que c'est la plus classe. Ouais, moi je pense que c'est celui du vote, c'est ça. C'est le 12, c'est ouais, le 12. Ouais. Il est dodo et tout, non, franchement. J'ai voté pour 2011. Ok. Notez que toutes les dernières covers se ressemblent beaucoup. Et que, ouais, c'est vrai. Fond c'est rouge, ouais, c'est ça. Avec c'est un cœur. Un peu le truc. Ouais. La suite, ça sera la catégorie serveur online rapidement. Ça, c'était dur de déterminer ça. C'est moi qui... Non, je vais le faire, mais je voulais tout savoir la catégorie. Elle est là, quoi. Allez, j'ouvre et je donne à Clément. C'est parti. Alors, troisième, l'édition 2011, donc les serveurs de SVR 2011, 30 points. Deuxième, l'édition de Touquet 18, donc celui de l'année dernière, 35 points. Et enfin, est-ce que vous avez un avis? À part du coup, Bus qui l'a vu. J'ai vu le résultat aussi, donc... D'accord, Ami 2. J'ai pas vu, je dirais 2016. Bon, et bien avec une grande, bah franchement, majorité. Ouais, une très grande majorité quand même, et quand même un grand étonnement de ma part, c'est tous les 19. Moi ça m'étonne pas. Premier 55 points. Ouais. Moi ça m'étonne pas. En vrai, par contre, c'est normal. Il y a pas eu de problème. Hein. Oui, sauf que moi je vais rebondir un peu sur vos arguments, certes. Il n'y a pas forcément de problème au niveau des sessions scindées ou autres. Par contre, je prends l'exemple des premières éditions comme SmackDown vs Raw 2009, à l'époque des SVR.
il n'y avait aucun problème. Tu pouvais très bien jouer avec Siko dans un match, il n'y avait pas de session scindée, il n'y avait rien, il n'y avait pas de lag. Il n'y avait pas de lag, quoi. Okay. Après j'ai envie de dire un truc, l'édition 2014 était vachement bien. Moi je me rappelle, on faisait des chamber match, on était à 6, il n'y avait jamais de bug. Tu te rappelles ou pas, Ami? Tu te rappelles ou pas? J'ai pas souvenir. J'ai fondu, je crois, toutes les 16 et toutes les 14. Ah, 2014. Les premières éditions, il n'y avait pas de problème. Effectivement. Les premières éditions? Ouais, les premières, jusqu'à Tokyo 15 environ. Tokyo 15, il y avait le serveur n'est plus disponible de Tokyo 15. Oui, mais ça n'arrêtait pas de scinder. Ça n'était pas de scindé. Par exemple, on jouait avec Egla, ça scindait tout le temps. C'est ça. Catégorie suivante, c'est la meilleure stipulation. Qu'est-ce qui va ouvrir? Personne. Ah, c'est toi la session. Allez. Enfin, c'est plutôt Clément, mais... Je fais en sorte de ne rien voir. Ouais, je dis c'est ladder match, c'est sûr. Alors, deuxième, troisième. Malheureusement, il n'y en a pas. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va passer directement au deuxième, en effet. Puisque, du coup, il y a trois ex-aequo, deuxième. Il y a le Royal Rumble, quoi, le Hero Man Match, l'arbitre spécial, 40 points. Donc, du coup, pas les points, toi, t'embêtes pas. Je dis pas les points, d'accord. Et enfin, du coup, premier, est-ce que vous avez du coup... Ouais, j'ai une idée parce que j'ai vu... Je suis quand même assez étonné de moi, la situation. Vas-y, dis. Donc oui, il y a Mr. Chamber, premier. De toute manière, ça stipule qu'on fait souvent quand on en privé. Donc, en ligne, ouais. Ça, c'est logique quand même, c'est... Mais je pense que si, admettons, il y aurait eu le Royal Rumble en ligne, je pense que ça aurait été le Royal Rumble. C'est de la merde. Non ? C'est devenu trop de la merde, le Rumble. Non, mais en ligne, hein, à l'époque. Non, mais même, c'est, vu que le Rumble match, de base, même en hors ligne, c'est devenu de la merde. Ils auraient repris le même gameplay sur... C'est ça, sur la sur mécanique, elle est assez limitée, tu vois. Tu jettes un étoile dehors, c'est tu rentres dessus, c'est fini. En fait, c'est celui qui a le plus rapide son doté qui gagne à chaque fois, si on fait comme ça. C'est ça. Surtout que Rumble en ligne, c'était une année, hein, c'était sur 2012, donc ouais, les gens, ils ont zappé maintenant. Moi, j'y ai jamais joué. Prochaine catégorie, tellement, parce que ouais, c'est les catégories tout qui, on va pas s'attarder dessus. Hein. Meilleur mode de jeu. Il y avait des choix entre showcase, mode tour, carrière, mode tour, Zodania. Non, c'est bon. Non, c'est... Ah, je pense qu'il n'y a pas de possible. Hein. Ouais, parce que c'est chiant. Alors, du coup, troisième, showcase. Deuxième, mode carrière. Et enfin, premier, les gars. La retour de Savannah. Retour de Savannah. Ok. Bon, bah, forcément. Il n'y a même pas de débat. Premier, pas de débat. C'est... Ouais, retour de Savannah. Voilà. Il y a tellement peu de modes. Ok, si vous nous regardez, rendez-nous ce mode, s'il vous plaît. De manière, il y a tellement peu de modes que tu peux pas avoir beaucoup de choix. Et enfin, on passe à la catégorie vraiment la plus importante de la catégorie cookie, le meilleur jeu. Alors, troisième, SVR 2009, donc le tout premier. Donc la première saison de la Haussing Niveau. Deuxième, SVR 2011 et W13. Et donc du coup, premier les gars. Moi j'ai voté pour le jeu maintenant. Depuis 19 donc. Ouais. Ouais, pour moi pas depuis 19 que j'ai voté parce que moi je le trouvais dégueu. Moi c'est entre le 2014 et le 2009. Parce que c'était mon premier. Moi ça devait être un 2014-2013. Ouais. Et 2019 aussi qui est plutôt complet. Moi j'ai beaucoup plus préféré sur le premier sur PS3 que sur PS4. Ok. J'ai voté pour celui de la saison 5, donc c'était il y a 6 ans. Saison 5, c'était 2013. Ouais, donc j'ai voté pour le W13 et sinon pour le 14. D'accord. Bah moi je suis plutôt, on va dire, nostalgique, comme dirait Gub, Rose, pardon. Donc je n'ai pas voté pour... J'ai dit ça, non? Bon, vas-y, continue. Non, mais comme tu le dis souvent pour moi. Donc du coup, le premier, une nouvelle fois, un gros étonnement pour ma part. Toké 19. Ouais, ça m'étonne pas. Je trouve vraiment le jeu est... Non, il est horrible, le jeu. Il est super bien. Moi, je le trouve horrible. La nouveauté payback est géniale. Moi, c'est... Les paybacks, ça, c'est une bonne chose, mais le jeu, je le trouve vraiment... C'est quoi que tu trouves horrible, Ludo? Le tout, moi. À mon avis, c'est la lassitude. Mais un mec qui commence le catch avec ce jeu-là, je suis désolé, pour moi, c'est un super jeu, je pense. Parce que moi, j'ai vraiment pas accroché à celui-là. T'as pas accroché, pourquoi? C'est par rapport au forum, par rapport au... Ah non, 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 je le fait de la part des membres, comment ils jouent. Ah non, parce que je compte pas le... Moi, je compte vraiment le solo, je n'ai pas touché le quasiment le Touquet 19. Bah, okay. Moi, j'ai pris en fonction de ce qu'il y avait comme contenu dans le jeu, et franchement, au niveau contenu, il y avait plus de contenu dans les anciens jeux que celui de Touquet 19. Bon, par contre, Touquet 19, il y a un peu... Compliqué. Allez, Touquet 19, il est quand même complet, moi, je trouve, quand même. Ouais. T'as le mode tour...
T'as le mode showcase qui est moyen. Mode tour qui l'a vraiment tâté à part des Saint-Martin et tout ça, qui donne beaucoup le jeu. Tu l'as tâté toi le mode moi tour pour donner ton personnage. Tu il a essayé, mais non, c'est pas le mode tour, tu rigoles. Mode carrière. Non, c'est mode carrière. Il y a mode carrière aussi. Ouais, c'est mode histoire que j'ai fait. Moi, j'ai pas terminé. Mode carrière, le début est pas mal. Après, le début est bien, mais après, tu sens que ça va vraiment partir. C'est de la myrte en What the Fuck. La prochaine catégorie, c'était la dernière catégorie, voilà. Touquet, donc Touquet 19, meilleur jeu, c'est normal pour moi. Meilleure incarnation. Meilleure incarnation. Donc le Mans qui est vraiment le... Oui, bah oui. Donc on passe du coup à la meilleure incarnation, donc le Mans qui a le mieux incarné son personnage donc dans le meilleur online. C'est parce parti. C'est un gros catégorie. Troisième, Ben, John Cena. Voilà, ouais, totalement mérité. Ouais. Deuxième, Ross, The Rock. Ouais. Et enfin, premier les gars. Bah, notre copain à gauche, tout à gauche. C'est pas moi. Je sais pas, mais dépêche-toi parce que. Hakim, Wade Barrett. Ouais, c'est normal. Ah bah moi je l'ai pas connu. Hakim, c'est normal. Franchement, Hakim, c'est mérité, mon gars. Ah, j'ai pas connu donc ça. Avec le fameux smiley sur le forum. Ouais, il vient de très souvent. Il vient de Vice ce smiley. Donc, ah, malheureusement, j'ai pas connu donc ça. Moi non plus donc. Mais d'après ce que j'ai entendu, il n'y a que du. Oui, bah, de toute façon, les votes le prouvent, hein, il est premier, donc il a fait du très très bon taf avec White Barrett. Félicitations à toi, Hakim. Alors que c'est quelqu'un qui a quasiment pas fait la deuxième partie du forum. Il n'a pas lutté du tout. Ouais. Ça veut tout dire. Voilà. On passe du coup au meilleur clan. Meilleur clan, vous aurez la limite, hein, il n'y a pas idée là, ça. Non. Enfin, là, moi je suis déjà dans le truc total. Alors, troisième, Shengeng. Hein quoi Chain Gang. En fait, pour ceux qui ne le connaissent pas tout comme moi, je l'ai appris par celui qui a voté pour ce clan. C'est qui le clan, en fait, le gérant de ce clan, le chef, c'était Vignura. Vignura, d'accord. Donc, si vous vous souvenez, les gars. Ah bah oui, on se souvient de Vignura. Voilà. Non, mais de ce clan avec Vignura. Non, Chain Gang, moi ça me dit rien. Voilà. Et donc, du coup, le deuxième, la Menevet Elite. Et donc, du coup, enfin, le premier, sans aucun suspense. The Nexus ? Voilà. Et voilà ! Hakim, deux fois de suite, il est là. Le doublé ! Ouais, t'es là aussi, t'es là. Par contre, bon. On précise que c'est la Nexus. J'ai installé les gars. Pas celle d'Acto. D'Acto et Clément. Ouais, Clément. Hakim, non, pas Hakim. Acto, le leader, celui qui a voulu tout faire pour dire au final ne pas avoir le jeu, quoi. Enfin. Non, moi, j'avais rejoint ce clan saison 3. Ok. Nexus de ah, ça, je l'ai pas connu. Avec Skip Sheffield. J'en ai entendu beaucoup parler, mais je l'ai pas connu non plus. Cette d'ailleurs, en segment, c'est Skip Sheffield qui a mis fin à la Nexus. Oh, lui et ouais. J'espère qu'ils le disent au moins une fois, tu vois. La meilleure tag team, ça va aller vite. Ça va aller très vite. Parce que j'ai pas eu le souvenir de beaucoup de tag team. Ah, alors, Justin Gabriel, donc Akaba, et Kevin Owens, Ludo, en troisième position. Deuxième, The Rock et CM Punk. Quoi ils sont tout à gauche. J'ai nommé Amel. Ah, c'est abusé. Là, c'est Ross. Abusé. Non. En deuxième position. Non. Ah, mais c'est la deuxième position, c'est pas la première, donc il dit pas de s'abuser. Bah, si, c'est quand même abusé. Mais enfin. C'est quand même pas de sa vie, en fait. Et enfin, la première. C'est quand même abusé, je trouve. Et enfin, la première position. Bah, la DX de d'Ami de... La Dégénération X. La DX. Avec Ami Desven. Ouais, je précise bien que celle d'Ami Desven, pas celle de Clément. Alors là, je vais être objectif. Pour moi, c'est pas mérité. Bah moi personnellement, c'est la seule que j'ai retenue. Ah, mais c'est ça le problème en fait. Je pense que tu vois, la division tag team elle est tellement inégale qu'on n'a pas de souvenir, tu vois. Mais moi, je pense qu'il y a eu. Sven et Amit, ils ont fait du bon taf, mais ils n'étaient pas réguliers, tu vois. Ah non, mais il y a des mecs qui ont été réguliers en tag team. Ouais, les gars, je me rappelle d'anciens champions tag team première ère du forum. Champion tag team, c'était Brock Lesnar et Zack Ryder. Je me rappelle Matix et. Moi, par exemple, c'est en mode, je crois. Par contre, Akaba et moi, on a quasiment eu aucune défense de titre. Notre run, il était dégueu. Oui, ah. Parce qu'en fait, les gens, ils ont plutôt voté. En fait, ils ont voté en fonction de quand ils étaient présents. Et pour ma part, je n'ai pas voté pourquoi. Moi, je pense que j'ai pas voté. Parce qu'en fait, il n'y avait que la team de Justin Gabriel et donc de toi, Ludo. Ouais, et après, on essaie de trouver deux gens comme ça pour essayer de nous mettre en face parce que. Meilleur speech. Ah, oui, d'accord. oui. J'ai écrit à la Wall Again parce que t'étais tellement tard, mais t'inquiète. Voilà, meilleur speecher. Meilleur speecher. Donc, j'ai lu Speak Lamp. Attendez, pronostic. Hakim. Il doit avoir du Hakim, Sven, Amid, Sven, Ross, Ben. On peut dire Hakim, ce qu'on veut. Je peux y être avec The Rock aussi. En fait, on peut dire un truc, c'est que Sven, il y a beaucoup qui disent qu'il n'est pas régulier, mais quand Sven il était là,
régulièrement et quand ils faisaient du ça, sale, c'était quand même le ça restait quand même du top 1. Bah, de toute manière, moi, ça va être sûrement dans ceux qui ont eu l'Islamide, donc ça peut être Sven, Hamid, Hakim, Ben, Egla, on a pas dire ce qu'on veut. Et Egla, c'est solide. Il y a du monde. TM aussi qui. Ah, mais TM, il est trop récent. C'est mais ça, il est trop récent, donc certains, c'est sûr qu'ils ne sont pas. Donc, il y a du monde. Bah, je pense que ça va tourner autour de ça. Et le vainqueur est. Enfin, le troisième d'abord est. Il a froissé le papier Clément. Le troisième. Hamid, deuxième, Ross, et enfin le premier les gars. Hein. Sven. Voilà. Sven. Sven. Ah ouais, quand même. Putain. Non, ça va, c'est pas. Bah, je peux quand même dire le point, les points pour la différence, tu vois. Quand même. Vas-y. Ouais. Donc Hamid, 55 points, Ross, 60 points, et enfin Sven, 100 points. Ouais, non, ouais, Sven, il. Je pense que Sven, il a souvent été cité en premier. J'ai une question. Est-ce qu'il y a beaucoup de membres de la saison de la première heure qui ont voté? Moi. Bah, déjà, nous on est tous de la première heure. Même si moi je suis vraiment pas. Non, mais de toute façon, la règle c'était il faut avoir participé aux deux heures pour voter. Mais parmi les membres historiques qui ont participé aux phases de transition, ouais. Est-ce que parmi ces gens-là, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont voté? Ah, je sais pas, je peux pas te dire. Il y a qui a pu voter? Bah, le staff. Ah, le staff déjà. Akaba. Akaba, il a pas envoyé. Bah attendez, Akaba il était là sur 2014. Hein. Non, il est arrivé juste deux mois après moi, mais moi j'ai sûr. Oui. Ah ouais, il est arrivé début de la saison PS4 parce qu'il est à NXT. Ah ouais. Non, mais en fait, il y a le staff qui a voté. Il y a Ludo, il y a Gus. Safi n'a pas voté. Non, Safi, je l'ai relancé deux fois. Il y a qui d'autre encore? Ben, Mizu. Sans dire les noms, enfin, parce que sinon, Shogun. À peu près comme on était, quoi, avoir voté. Non, Shogun n'a pas voté. Mais je crois qu'il y a Will qui a voté aussi. Enfin, voilà. Il y a environ une dizaine de monde qui a voté, quoi. Ouais, donc 100 points, ça vaut quand même coup. C'est pas mal. Voilà. Le meilleur concept, Orifed. Pronostic, les gars. C'était par rapport à la concept Orifed. Concept Orifed, donc de FIFA League. Ah voilà, c'est FIFA League en 1. Skype Event. C'est mes trois choix. Skype Event, Koh Lanta, FIFA League. Et je mettrais. En vrai, je crois que j'ai mis Skype Event en 1 parce que c'est ce qui rassemble quand même le plus les membres en dehors. Des jeux de. Ouais, il doit avoir le Skype Event, FIFA League et la 3D. Allez, rapidement. C'est parti. Alors, il n'y a pas de troisième, donc du coup forcément. Deuxième ex aequo, GTA Event et FIFA League. Et enfin premier. Skype Event. Non. Soirée entre Koh-Lanta. Voilà, Hamid, Koh-Lanta les gars. Ouais. Donc, c'est totalement mérité. Donc Jump Goal, quoi. C'est totalement mérité parce que Jump Goal, il a créé un truc que quasi personne n'avait créé avant. Et s'il avait posté tous les épisodes des GTA Koh-Lanta, je pense qu'il aurait fait un truc de fou en termes de vues. Moi j'avoue parce que je suis retombé il n'y a pas longtemps sur les présentations des épreuves, je me suis dit, en fait, ça va être le premier épisode, c'est une infime goutte de tout ce qu'on a fait, et ça ne représente même pas la folie qu'il y avait dans le concept en fait. C'est là que c'est dommage, n'empêche. Je passais des soirées sur ma PS3 à jouer à GTA en mode Koh-Lanta, et ça faisait des coups bas, ça taillait les autres en conversation Skype et tout. Ça mettait des feintes, ça faisait des bugs, des trahisons. C'est là que c'est vraiment dommage que ça n'a jamais été transformé. Jump, il avait de l'or entre les mains, mais il ne l'a pas transformé malheureusement. Mais j'ai une petite histoire à raconter que je n'ai raconté à personne. Il y a un pote, il est fan de GTA, tu vois. Et un jour, il est tombé sur cette vidéo, il l'a écouté, et il a fait: attends, Ross, le mec, il a la même voix que toi et tout. Et je lui ai dit: bah, mon gars, ouais, c'était moi en fait dans cette vidéo. Donc c'est une histoire de fou, quoi, tu vois. Putain. Et d'ailleurs, c'est la compétition, enfin, c'est la vidéo la plus vue de la chaîne. YouTube, ça veut tout dire. Donc voilà. GG Jungle, le meilleur concept sur l'UO maintenant. Pronostic? Je sais même plus ce que j'ai mis. Promo Battle, pour les gens roulaient. Promo Battle serait plus, mais vu que ça m'aurait été que sur les tracks, le système de WC qui aurait mérité un crappy. Ça dépend pour qui. Pour les membres, hein, pour les membres. Les loges, NXT, les loges. Et le respect des calendriers. Des NXT doit être dans les. Ah ouais, NXT, je suis d'accord. NXT ou les packs. Allez, c'est parti. Troisième calendrier W, donc le respect donc, de la part de ce niveau, d'avoir respecté le calendrier W au niveau des shows hebdomadaires et des pay-per-view.
dont le rajout récemment donc d'Evolution et de l'Arabie Saoudite, la Crown Jewel. C'était un échec, hein, on peut le dire. Evolution et... Ah, Evolution et Crown Jewel, c'était un échec, franchement. Deuxième, le shop. Donc chaque ouais, mois... Ouais, le système de shop, c'est vrai qu'il est... C'est vrai. Et enfin, le premier, hein, que Hamid, je crois Ludo aussi, donc Gus et moi forcément, NXT. Que ce soit le premier show NXT ou même... j'ai gagné NXT la saison 2. Celui sur PS4 que Akaba a participé, c'était ouais, propre. Bah, même le tien aussi. Ah ouais, ouais, ça a toujours été bien. J'ai fait deux NXT, j'ai fait le NXT saison 5 où j'ai fini par être tout seul NXT, tous les autres se sont barrés. Et le NXT version. T'as justement contre Akaba et tout ça. C'est ça, deux. Exactement. Puis après, t'as eu un nouveau NXT avec seulement Amid et moi en tant qu'ancien pour aider les nouveaux. Bah, c'est vrai qu'il l'avait encore pris. Mais c'est un coucou au mec qui passe le balai au fond là-bas. Mais je tiens à préciser un truc, j'ai aucun mérite. En fait, j'ai juste repompé le. Ce qui se passe en vrai. Ouais, ce qui se passe en vrai. On sent la hype, mais après, t'as quand même. Ouais, j'ai quand même bossé. Il y a eu de la créa, il y a eu des. Ouais, et je pense que t'as suggéré le fait que certains membres devaient, on va dire, coacher d'autres membres. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, je pense que c'était quelque chose qu'il fallait bien gérer, parce que sinon, ça pouvait partir dans tous les sens. Ah, c'est vrai. Et puis après, tu avais des membres, entre guillemets, comme Amid et moi, qui avons, déjà par nous-mêmes, par défaut, qui sommes des gens, on va dire, des membres qui aiment bien aider les nouveaux, donc en fait, il n'y avait pas forcément besoin de... Ouais, oui, ça, c'est dans la nouvelle version, mais je parle de l'ancienne version, là où il y avait vraiment le coach... Le système pro-rookie, en fait. Pro-rookie, tu vois. On peut dire, les gens, que ça a révélé quand même NXT, ça a révélé des mecs comme Ben, Akaba, Rampaz, Gus... Illumas. Illumas, Mizu. Ah, ça, je sais pas. Mizu, il a fait partie, il me semble. Ceux d'anciens, je sais pas. Moi-même. Ouais, toi aussi. Ben, il a réussi, il s'est révélé en gérant NXT, d'ailleurs aussi, parce qu'il n'était pas GM à l'époque, il avait su récupérer le poste de GM. Il a été GM aussi, enfin, il a et après, il a dit non, GM d'autres choses. Et t'es sûr de ça? C'était pas Pierre qui était GM de la saison 4? Non, quand je suis arrivé en saison 5, au début, c'était Akaba de GM, ouais. Et après, c'est Ben qui a pris le relais. Ok, je savais pas. Okay. Il avait chez MS à l'époque, je me rappelle. Okay. Donc, non, il y a eu, ça a ramené des belles choses sur forme. La suite, messieurs, c'est la meilleure chronique. Alors, on peut passer, le temps que j'ouvre cette enveloppe, un petite vidéo promotionnelle. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Ah, l'autre, il me donne du montage. Kratos, comme ça, allez, tiens, c'est cadeau, toi. Ezeko, nous avons du coup. Ezeko, j'ai compris Ezeko. Le Jugement Day, ouais. Le Skype Event, le Power Ranking, et enfin deuxième, le Vintage Toys, ouais. Et enfin le premier, juste de la vue, ouais. Bah, le TV, Star Week, ouais. Tout ce qui apportait cette nom-là qui ouais. Correspondait au même programme. Ah, mais faut vas-y, dire. Bah, vas-y. Moi je vais expliquer un truc, c'est qu'il y a plein de personnes qui pensent que ça a commencé avec le Wild TV de Ben et Marco. C'est avant. Bah, moi j'ai entendu celui-là en premier. En fait, moi, la vraie première chronique qui a commencé, c'est le Wild Week. C'était une chronique qu'il y avait sur FN Lutte. Je me suis ouvertement inspiré d'eux. Et du coup, en fait, chaque semaine, en fait, on disait qui était le meilleur mid-carter, la meilleure tag team, meilleur mini-eventer, etc. Je vous invite pas à l'écouter, c'était catastrophique. J'avais... Sur Dailymotion, les mecs. Ouais, j'avais 18 piges et tout, donc voilà, excusez-moi. Mais ensuite, il y a eu Jump et Alexandre qui ont repris le Wild TV. Enfin, ils ont appelé ça le Wild TV. Je sais pas ce que ça valait, j'écoutais pas. Désolé, mais j'écoutais pas. Et ensuite, il y a Ben et Marco qui ont fait un gros taf quand même, faut le dire quand même. Ils ont fait un gros taf, tu vois, ils ont fait le truc à leur manière. Ils l'ont bien tenu. Après, il y a eu. Il y a eu quoi? Bah, c'est Wild TV. Wild TV avec. Avec Nono et Jump, non? Nono et Jump. Non, je pense pas qu'il y ait ça comme équipe.
Il y a eu un truc avec Jump, c'est sûr. Le Sportcast. C'était le Sportcast avec Jump et sa fille. Non, Sportcast, il y avait Rose. Non, c'est pas ça. Non, non, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu TV qui a été géré, je pense, par. Il y avait Jump qui était là en fixe et peut-être d'autres gens qui l'accompagnaient chaque semaine qui changeaient. Parce que je me rappelle vraiment plus de qui était régulier. Et après, c'est devenu du coup. L'After Week. L'After Week. On connaît. Gus qui a trouvé le nom. C'est ça. Par rapport à l'After Foot. Voilà. Donc, du coup, je précise du coup que le premier. C'est After Week, entre parenthèses, Well TV. Donc il n'y a pas forcément de parenthèses, mais j'explique. C'est que du coup, il y a des membres qui ont voté After Week et d'autres Well TV. Mais il y en a aussi qui ont voté After Week, Well TV. Donc du coup. Car clairement, c'est le même truc. C'est le même truc. Donc j'ai dit à Ross, écoute, on va pas se prendre la tête, on va prendre en considération les votes par rapport à l'After Week. On va dire que la base était la même, même voilà, si les autres étaient gérés selon. C'est le même truc, sauf que c'était. C'était des fois tourné un peu différemment, ça avant qu'il gérait. C'est ça qu'on avait changé le nom plusieurs fois et que. Il fallait que chaque nom ait son identité. Le meilleur design rapidement du forum du coup. Ouais, mais le problème c'est que c'est comme la bannière en fait. Si vous voulez, n'avez pas forcément d'arrière-plan pour son design. En fait, les seuls indices qu'on pouvait, enfin les seuls on va dire. Les seules traces, c'est les bannières que Ross avait fait une vidéo récemment. Ouais, alors moi, c'est besoin pour aller voter sur les designs. Je suis allé sur archive.org je suis allé voir. Moi je connais pas du tout ce truc là parce que justement j'en ai pas connu beaucoup. Et je savais pas comment aller vérifier. Alors merci archive.org. Sans spoiler les résultats, je peux juste dire qu'on croit que le truc c'est que vu qu'il n'y avait pas forcément d'endroit pour aller voir les designs, en fait, du coup c'est à peu près la même chose pour les bannières au niveau des réseaux. Ok, ça marche. C'est parti. Alors, je tiens à profiter avant que tu dises les résultats. L'éclairage est pas terrible. C'est à cause du soleil, des fois il y a des nuages, des fois non. Non, mais je vais éclaircir mon Ok. Petit point, on est à 25 minutes. Ok. Ok. Donc, là, faut accélérer. Donc, du coup, top 3, donc design. Saison 5, ensuite deuxième, saison 6, et enfin premier, saison 7. Voilà. Saison 7, je sais même plus que j'ai voté. C'est le fond bleu, je pense. Ouais, c'est le fond bleu. C'est vrai que ça avait marqué un virage. Deuxième, saison 7, et enfin, première, saison 8. Ouais, mais en fait, ils ont été pas manqués, en fait. Si, ça fait voilà. Saison 8, non, je me souviens, saison 8, Seth Rollins et Brock Lesnar. Non. Il y avait même Page. Non, 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 non. Saison 9. Saison 8, c'est Seth Rollins. Ah oui, non, Brock Lesnar, t'as raison, avec Page, ouais, bien vu. Et Seth Rollins Oui, Seth Rollins. Ouais, Seth Rollins. Ouais, c'est bon. Ensuite, et saison 6, c'était The Rock. The Rock, saison 7, The Rock. Non, les deux, c'était The Rock. Saison 6, c'était la saison multiplateforme. T'avais The Rock, Michael DeSanta de GTA, et t'avais Messi de FIFA 14. Ok, non, ça, c'est la saison dernière avec FIFA et Marco Rose et puis. Non, ça, c'est saison 9. Et saison 7, c'est The Rock. On est en train de perdre des membres là. Oula. De toute façon, on vous mettra les images. C'est sacré bordel. Tu mettras les membres. Meilleur fair player. Merci. Le meilleur fair player. Alors, ça, c'est une catégorie qui correspond, à pas mal de monde. En fait, ouais, pas tant que ça. Oui et non. Ça dépend des états des matchs, en fait. Ça dépend des années. Hein. Certains, ils pensent des fois que juste car la personne gagne, c'est pas faire quoi. Moi, je dis mon pronostic, Will. Will à Will. Will à Kim. Will à Will. Moi, c'est vraiment, c'est, même Clément, il devrait être. Tu m'appelles. Vous appelez Clément. Je suis là, allô. Donc du coup, c'est bon. Moi je dis Will. Will Hamid. Il y aura Will, Hamid, potentiellement Ben. Ben aussi. Ben, je sais pas. Allez, c'est parti. Troisième, Hakim. Acton, t'as dit Marco. Ah, Marco. Troisième, Trax. Troisième, Hakim. Troisième, Hakim. Deuxième, Will. Et premier, alors c'est ça. Et donc du coup, premier, Hamid. Voilà, Hamid Will, ça devrait être joué. J'aurais mis Will, parce qu'il est là depuis plus longtemps que moi. Et Will n'a jamais, et pourtant il a plus vraiment, il n'a jamais été impliqué dans aucun souci de match. Mais toi non plus. Il y a déjà eu des gens qui se sont plaints. Ouais, mais faut voir c'est qui se plaint. Sur des saisons soi-disant scindées. Faut voir qui se plaint. Toi t'as un bon toi. Mais faut, sur des sessions soi-disant scindées, etc. Mais non, en soi, moi j'ai voté Will. Mais merci. Parce que clairement, moi, j'ai joué souvent contre Will, c'était.
C'était pareil, quoi. C'était facile. Même pas, parce que sinon je perdais contre toi. Le meilleur GM, alors là c'est une catégorie qui implique pas mal de monde qui sont ici parmi nous. Tout le monde a été GM sauf Ludo. GM à intermittence. Ah oui, non, c'est vrai qu'il a gagné un truc à la Sardinia. Ah, moi. Ah, guest host. Tout le monde s'en fout. Ouais, non, je m'en doute. Je m'en doute. Ah, mon gars, tu vas pas le gagner. Ah non, mais. Spoiler alert, moi non plus. Ouais, non, non. Alors, troisième. Hakim Wade-Barrett. Ok, pas de souvenir. C'était pas Barrett. Il avait incarné Floyd Mayweather aussi. C'est ça, en. C'était pas mal. Deuxième, Yoga. Daniel Bryan, Hulk Hogan peut-être. Mais ouais. attends, je crois que t'étais une victime. Comment ça se fait que t'es deuxième, je comprends pas. Je sais pas. Il y a des problèmes de GM. Il y a des gens qui. En termes de gestion, t'es pas bon apparemment. Ah, j'avais pas compris selon moi, j'ai compris. Ok, d'accord, ok. Bah, le premier, ça peut être Ben, je pense. Ben, il faisait du lourd quand même. Il a bien géré le fait. Ross aussi, mais c'est ça que ça me surprend que Ross et Ben, il y en a un des deux qui ne soit pas dans le top 3. Ouais. Parce que non, t'as raison. C'est ben, il a toujours fait du sale quand il a dû gérer le forum seul et tout ça. Du sale, dans quel sens? Du bon. Ok. Je dirais un truc après avoir vu qu'il doit être dans le top, c'est qu'il ouais, 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 je dirais un truc après avoir dévoilé le premier. Premier, Ross, The Rock, William Regal et Nasty. Et c'est tout, je crois. Pas mal. Ah, j'ai eu Matt Striker. Il a eu Shane McMahon. J'ai eu Shane McMahon, c'est vrai. Vicky, j'ai Shane McMahon. Et Vicky? Ouais, Vicky, ouais. Donc du coup, on me l'a rappelé. Après une petite, bon, pas forcément polémique, mais voilà, dans je sais plus quelle saison. Au niveau des résultats sur le miroir, Ross avait beaucoup travaillé en tant que GM, il avait proposé pas mal d'idées. Finalement, ça n'a pas été lui, et finalement, bah, il est enfin récompensé pour son travail en tant que GM. Bah, c'est bon, non ouais, par non, contre, non, pour revenir à Ben. Pascal, j'ai un truc qui bloque. Ouais. Je vais pas faire tomber ton téléphone. Vas-y, reprends. Par contre, pour revenir à Ben, il a été quand même très près au niveau des points avec Hakim, le troisième. Okay. Mais c'est vrai que. Je partage votre avis, Ben a fait du très très boulot, enfin du très très bon boulot en tant que GM manager. Ouais. Mais juste une chose négative entre guillemets, bon on a tous fait des choix négatifs hein, en tant que GM manager, mais le seul choix négatif aurait été à côté de moi, pas forcément toi-même, hein, mais d'avoir autorisé le personnage Luke de Vicross en tant que co. Ouais, ça c'est. Dédicace à Mid qui l'a créé. Ouais, bah non, mais non, il n'y a pas de dédicace envers Mid. C'est juste un squash dans un segment. C'est ça, il y avait besoin d'un lutteur qui devait se faire squasher. Y a pas... faire ah non, mais je suis d'accord que c'était c'est ni la faute à Mid, c'est le mec qui a l'air de. Non, je ne dis pas que c'est une dédicace à Mid, que c'est un Mid qui est coupable là-dedans. C'est moi, clairement. C'est clairement moi et Ben là-dedans. C'est l'avant-dernière. Je te laisse, il en reste. Non, avant, il en reste 4. Ok, 4. Il en reste 4 messieurs, meilleure saison. Ah, c'est moi qui dévoile ? Ouais, meilleure saison. Meilleure saison. Attendez, avant de commencer, meilleure saison Ludo, pour toi ? Pour moi, la 6 et la 7. Bah, c'est là où je suis arrivé, okay. C'est là où j'étais vraiment le plus actif. Yoga ? Saison 8. 8, toi ? 3-4. Saison 3-4, même chose. 4-5. Ok. Clairement, de ce que j'ai entendu, c'est clairement celle précédemment qui sont. 3-4. La 4 à 100. Mais moi, je pouvais pas voter sur celui, je les ai pas connus. Saison 6. Troisième, saison 3, mérité. Saison 5, qui l'emporte. Saison 5 ? C'est la saison 5. Ouais, je le perdais pas, je suis con. Moi, c'est assez dépité. Je suis pas d'accord. Je vais te dire pourquoi. Je suis pas d'accord. Vas-y. Ça s'explique par les membres qui sont actuellement présents sur le forum et qui ont pu voter. Tous n'étaient pas là la saison 4 ou 3, mais tous étaient là la saison 5, tout simplement. Ah, mais. Ouais, c'est vrai que ça compte. C'est comme la saison, c'est ça, saison 6, elle a peut-être beaucoup de votes justement, car la plupart ont été là et saison 5 et saison 6. Je confirme, je dis pas que le choix saison 5 a été le premier choix de tout le monde, mais il fait quand même partie du top 3 de la plupart des membres. Il a raison. Amy. De ce que je sais, c'est qu'en vrai, moi j'ai voté saison 5 parce que j'ai pas connu d'autres saisons avant, mais de tous les échos que j'ai entendus sur Forum, quand j'étais arrivé en saison 5, la saison 4 apparemment était vraiment au-dessus en termes d'activité. De contenu. Saison 4, c'était ultra beau. Donc voilà, c'était ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je sais que mon vote il n'était pas totalement objectif, car je savais que je votais pas pour certaines que j'ai pas connues. C'est objectif envers toi-même. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est le meilleur. C'est pas objectif sur l'ensemble de l'histoire. C'est pas l'ensemble. Mais parce que je pouvais voter que sur ce que j'ai connu. En fait, toi et moi, Ludo, on a voté par rapport à ce que nous on a connu en fait. Il a le truc. Ah ouais, bah c'est clairement ça. Voilà. Moi, je veux dire un truc, saison 5, c'était le début du déclin des Ifed. Parce que je me rappelle, je me laissais pas mal de gueulante en fait. C'est là que je commençais à sentir que le concept il s'essoufflait, tu vois.
Donc ouais, ouais, saison 5, c'est pas du tout mérité. Mon inscription. Merci. Bien joué. Et là, on va passer aux catégories importantes de voici le Et bah, le. C'est le lot qui annonce. Ouais, 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 non, non, moi je lance. Regarde, il y a un monde nouvel. Ouais, mais il veut pas le faire. Il veut pas faire. Non, j'ai cassé mon téléphone, moi. On vous expliquera. Ah oui, dédicace, j'ai cassé mon téléphone lors de ce séjour. On vous expliquera ce qui s'est passé en détail, peut-être dans une autre vidéo. Le meilleur membre, nouvelle génération. Alors, faut expliquer ce que c'est. Le monde nouvelle génération. C'est ce à partir de la saison 6. Voilà. C'est ça. Saison 7, PS4. 7. Oui. Si, c'est ça. Ah, bah oui, oui, si, c'est moi. Parce que c'est aussi, t'as commencé fin PS3. Ouais. Oui, oui, je suis con. Voilà. En troisième position, c'est une ex-écho entre Akaba et Ryan. Akaba seulement troisième. Heureusement. Vraiment, je sais pas, je trouvais que peut-être. Ouais, mais dans sa période active. Ouais, il a fait combien de saisons en tout, Akaba? Il en a complète. Deux. Complète. Deux. Oh, ouais. Deux. Bah, c'est déjà sur 5. Oui, mais qu'est-ce qu'il a apporté d'autre sur le forum? C'était quand même un solide sur la C'est un mec qui est très actif. Il était actif, il était solide. Très actif, c'est vrai, c'est vrai. Et mine de rien, il n'a pas tellement d'embrouilles en dehors du jeu. Des fois sur le jeu, il y a eu des débats sur sa manière, car il était fort. Bah, comme souvent, quand il y avait quelqu'un qui était fort sur le jeu, souvent ça allait l'attaquer, car il était fort tout simplement. Ouais. Moi, ce que je propose, c'est de comparer le top 3. Voilà. Ah oui, oui, juste un petit point. Un petit point en mention à Kaba qui était devenu champion majeur avec Kingston, et tout le monde à l'époque disait sur le forum, ouais, c'est pas crédible, etc. Ouais, bah voilà, justement. Ouais, c'est le mania 35. D'ailleurs, il s'est renommé sur le premier. Il est bien venu le rappeler sur le curseur. Le précurseur. Donc, bien vu à lui. C'est ça. Le deuxième, c'est RPZ. Ah, Orange. Angelo, d'autres outils, du coup. Ah. Et le troisième. Le premier, pardon. Le premier, c'est Natio. Ah, tu vois, là, bah, Natio et Akaba, ils ont été là le même nombre de temps, tu vois. Lui qui pleurait, oui, j'ai pas eu le rookie de la saison. Et n'empêche, je crois Natio, que. Natio, le famer. N'empêche, le rookie, c'était pas Sam Marcel qui est en dehors du top 3, là. Natio, c'est un très bon gars, très bon membre, mais de là à premier, je suis choqué, tu vois. Ouais, moi, clairement. Tout à l'heure, je dis à Akaba, troisième, voilà, on peut pas viser plus haut. Pour moi, Akaba, c'est au-dessus. Pour moi, Akaba, je pense. Pour moi, Akaba, c'est au-dessus. En fait, je pense Natio premier parce qu'il est encore là sur le forum, il est là depuis la saison dernière et on a beau se dire, il a apporté énormément d'activités ces derniers mois. Ouais, non, je suis d'accord. Mais si je compare l'activité actuelle de Natio comparée à l'activité qu'il a pu avoir de sa même personne, ça ne vaut rien. C'est que malheureusement, il y avait tellement peu d'activités. Oui, non, je sais. Le peu d'activités de Natio a rendu ça que c'était grand. Car justement, à côté, il y a personne. Et le point de chacun est différent. Moi, pour ma part, j'ai pris en compte l'activité, le comportement du membre et les tâches qu'il a eues sur le forum. En général. Ouais. Donc le comportement en général sur le forum et dans l'UO, ce qu'il a accompli en activité sur l'UO et en dehors, et les tâches qu'il a pu accomplir. Et du coup, t'as voté qui, si tu t'en rappelles? Je me rappelle très bien. T'avais voté? J'avais voté Angelo, Antix et Mathieu. Okay. Moi j'ai voté, je crois que c'est les trois là que j'ai dû voter, peut-être pas forcément dans ce ordre là. Moi je sais que j'ai mis Natio en 1, après c'est ce petit tout simplement pour le fait que c'est lui qui a le plus marqué le mois qui précède en fait l'Islamie justement. Et c'est toujours le problème quand on rentre dans l'Islamie, c'est ce qui est fait en début de saison, souvent a tendance à être oublié. C'est ça. On profite des derniers mois avant la récompense, avant les récompenses. Donc voilà, c'est. On peut pas dire que c'est inégal. Ah non, non, qu'il soit dans le top 3, ça m'aurait pas étonné, voilà. Tu vois. Donc, bien joué à lui. Voilà. Moi, personnellement, le top 3 est plus ou moins logique. Oui, voilà. Peut-être pas, j'aurais peut-être mis un autre. C'est l'ordre, en fait, qui. Mais sinon, ouais, c'est mérité pour les 3. Vas-y. Hamid, pour le meilleur membre, All Generation. Voilà. All Generation. Donc, on va débrouiller. Donc, les membres qui ont commencé sur PlayStation 3. C'est pas seulement ceux qui ont fait PlayStation 3. Si, c'est ça. Que ceux qui ont fait aussi, que la PlayStation 3. Oui, à savoir qu'il y en a qui ont commencé à partir de PlayStation 3. Non, il me semble que c'est ceux qui ont fait que PlayStation 3. Bon, en tout cas, sur pas de débat, sur papier, ils ont fait que la, que, ouais, que la PlayStation ça, ouais. 3. Donc, par contre, il y en a qui ont voté. En fait, je crois qu'il y en a qui ont compris ceux qui ont commencé, en fait. Ouais. Sauf que le problème, c'est que c'était pas ça. Donc voilà. Du coup, en troisième, on a D-Laser et Orbaz. Orbaz est dans je suis content. Donc, top 3, D-Laser aussi. D-Laser, je pense qu'il a marqué les gens par son parcours IFED notamment, a démonté des mecs avec un coup qui avait 69 je crois ou 72. Ouais, mais il avait une manette turbo le gars. Voilà, donc le mec est un tricheur, mais bref. Le précurseur de Rick Pool du 22 000 francs, du coup, c'est de Rick Pool.
c'est ça. Alors, c'était avec Daniel Bryan, je crois qu'il démontait les mecs à l'époque. Ouais, c'était écologique. Un précurseur aussi, on le mettra. Du coup, en deuxième, c'est Venura, membre historique du forum, même si peu de membres l'ont connu, c'est celui qui a secondé Rance dans la fondation. Ouais, de tout ce que j'ai pas entendu. Pas dans la fondation, mais à partir de la saison 2. Non, saison 1, il était là avec son petit frère. J'ai eu la chance de fumer contre Venura quand j'avais CM Punk, on avait fait un Punk Taker. La même année, en réalité, c'est match, c'est un match de fou. Ouais, non, il était très bon à Venura. Donc, big up à lui si il regarde la vidéo. Est-ce qu'il pose des trucs peut-être ? Si, je vais l'envoyer, t'inquiète. Bon, bah, il va l'avoir. Bon, Hakim. Et premier, Hakim. Ah, Hakim, c'est la base. Hakim, c'est la base. C'est un mec qui a beaucoup apporté au forum, que ce soit sur le haut, en dehors de l'UO, même en coulisses. C'est le peu de temps que j'ai connu dans la période staff, c'est quelqu'un qui est toujours actif. Toujours lâcher des punchlines, à détruire quelques personnes par ce pas. Maintenant, Hakim, c'est un. Classique Hakim, D'ailleurs, j'ajouterais même que malgré son retrait dans l'UR Online, il a su quand même rester sur le forum. Et en plus de cela, il a quand même secondé Ross, il a apporté une nouvelle activité sur le forum, la FIFA League. Bon, certes, la FIFA League, elle a un peu dépassé pour le moment l'activité au niveau de l'UR Online, mais ça a quand même apporté une très très bonne activité pour le forum. C'est ça, donc Hakim, ça reste un vrai membre historique. Moi je pense que c'est un des membres qui m'a le plus marqué. C'est tout à fait logique. Le membre tout à fait marqué. Et si je peux me permettre, c'est entre guillemets mon prédécesseur au niveau de la PS3. Tout comme ça, à tes côtés. Ouais, quelque part, ouais. Amoureuse du coup. Hakim, c'est mérité. Le gars, c'est total packaging. Bonne entente avec les membres. C'est un grand frère. Parfois un daron aussi avec les gars. Très bon speecher, très bon joueur, très bon clasher. Très bon clasher. C'est un gendarme, le gars il cramait les comptes et tout. C'est ça. En fait, Hakim, je l'ai toujours dit, Hakim c'est moi, mais en version rebeu. J'ai juré, c'est ça. Voilà. C'est mon double. Donc Hakim, moi, ça a super bien marché et ouais, c'est totalement mérité. Voilà. Et tu sais, c'est un mec qui a beaucoup manqué sur la partie PlayStation 4. Tu vois, il manquait un Hakim sur il le Il aurait calmé quelques personnes, je pense. Voilà. Donc bien joué à lui. En plus c'est un bordelais donc supporte un bordelais. C'est parfait. Je suis pas sûr qu'il est. Non, il n'est pas supporter, il supporte le Barça. Il est pas fou le gars. Dommage pour toi. Ouais, ça, <j'ai... rire> En tout cas c'est très cool qu'il revienne de temps en temps nous dire bon, de temps en temps, non tu l'as forcé à venir dernièrement. Ah ouais mon gars, sinon il revenait pas. À l'ancienne. Et qui fait le meilleur membre du coup ouais, quoi, meilleur membre, ok c'est parti. Bon pronostic, Ludo. Il y a du Will sur moi en premier. Will en premier. Ou en tout cas dans le top 3, sur okay. Le Clément, ah tu connais le résultat peut-être. Ouais tu le connais mais. Il le connaît. Hakim. Ben. Top 3 je mettrais Ben, Clément et Ross. Mais si on va enlever stage. Non moi je suis disqualifié de base. Ouais, tu vois tout dépend si les gens ont décidé de faire du staff. Je mettrais Ben même s'il a été pendant ça fait une longue partie. Non le staff est compris dedans. Ok, bon bah Clément, Ben. Clément, Ben, Hakim. Il a quand même fait il a fait du bon taf, Mizou, mais il a commencé avec du plagiat, donc tu vois pas. Ouais, mais moi j'ai pas connu ça. Ouais, mais je te le dis. Du coup, Clément, Ben, Hakim et Chris. Ok. Ouais, Chris aussi est pas mal. Ok, d'accord. Donc c'est parti. Alors, troisième position, Ben. C'est normal de dire qu'il soit dans le top 3. Normal. Je vais juste dire un truc sur Ben. Il a eu une période compliquée. Ouais. Il a eu une période compliquée. Ouais. Je pense que s'il avait pas eu cette période, il aurait été beaucoup plus haut dans le classement. Il serait premier. Parce qu'il a tenu le forum pendant certaines absences de Ross. Et Clément, il n'y a que Clément qui peut savoir. Et Ben, du coup, à quel point c'est pas forcément quelque chose de simple. Ok. Deuxième position, Hakim. Avec 60 points. C'est normal. Et du coup, le premier. Clément. Normal. Clément, meilleur membre. Alors, moi, je veux parler. Moi je sais que j'ai pas voté Clément parce que clairement je crois que j'ai essayé d'éviter les membres du staff ouais. Qui ont été les membres du staff. Je vois ce que tu veux dire. Je crois que j'ai voté Ben en 3. Ok. Parce que je savais pas qui votait en 3. Moi quand j'ai vu les résultats, c'est le seul résultat que j'ai vu en premier. Je voulais vraiment être sûr de voir le résultat avant tout le monde. J'ai pas pété un pont, mais j'ai trouvé ça abusé que ce soit pas Will qui ressorte en premier ou Ben. Tu vois ce que je veux dire? Malgré l'histoire de Ben. Pour moi, tu vois, Ben, c'est un mec, il a été vraiment régulier. C'est vraiment Mister Wrestling Evo, Ben, tu vois, pour moi. Ah, lui, il a vécu. C'est un mec, il a vécu un jour au concept. Il a vécu à fond. Et au final, après, si j'ai réfléchi quelques jours plus tard, je me suis dit, mais en fait, Yoga, son histoire, elle est juste ouf. Il était sur Xbox, le gars, il est venu pour faire un partenariat. Il a dépassé tout le monde dans toute. C'est surtout qu'au début, il était controversé. Voilà, il était controversé. Au début, il y avait personne qui voulait être Clément. C'est un mec tranquille quand même. Personne.
personne, façon de parler, mais je veux dire, beaucoup critiquaient que Clément était dans le staff. Non, mais c'est un mec qui a vraiment. C'est dans son âge, je veux dire, qu'on voulait pas de Clément. Non, mais tu vois, Ludo, c'est un mec qui a vraiment tout donné pour le foot. Moi, je donne beaucoup. Mais Ludo, lui, c'est sûr. Franchement, sur la dernière ligne droite, il a donné plus, peut-être, que moi à certains moments. Et. Des fois, il voulait même en donner trois. Hein. Putain, Clément, arrête. T'es sérieux ou quoi? On va boire une bière, Clément. Enfin voilà quoi. Ouais non, t'as fait un taf de fou et tout. En plus, au-delà de ça, moi je dis que t'es une personne pure. C'est que même quand il y a des mecs qui sont foutus de ta gueule, qui t'ont rabaissé, toi en fait t'avais pas cette haine envers eux. Non, t'étais là, t'étais choqué en mode putain mais je croyais qu'on était amis. Moi je te l'ai toujours reproché, je t'ai dit arrête de prendre pour acquis les autres pour des potes parce que il y a des gars voilà c'est volte-face, c'est des Harvey Dent, tu vois ce que je veux dire ou pas, double face. Mais au final toi t'as toujours cru aux gens, moi aussi, mais toi t'as un vrai cœur. Donc ouais pour moi c'est mérité. Ouais parce qu'il s'était blessé je pense par beaucoup de gens, même un moment par mois hein, quand il y a eu un moment l'embrouille entre. Ah non totalement, moi le premier. Oui, c'est vrai, il y a eu des embrouilles avec Gus qu'on n'a pas dévoilé parce que voilà, on n'a pas que ça à faire. Tout le monde s'embrouille avec Gus. Avec Gus. avec Clément, et au final, le gars, il est resté debout. Et je peux vous dire un truc, Clément, il a vraiment pris cher. En PV, le mec, il était mal parce qu'il vous considérait comme des amis et il y en a beaucoup qui l'ont trahi, qui l'ont pris pour de la merde. À cette heure-ci, c'est le seul mec qui est resté debout. Et qui a jamais mis de coup de pute dans le dos. Will non plus, et d'ailleurs Will aussi, j'ai envie de te dire, pour moi t'es le membre de l'histoire de la Race Wingo. Si on doit retirer le staff, c'est oui. Voilà, oui, voilà. Will, je suis désolé, t'as été fidèle. Mon gars, c'est comme si t'étais ma femme, t'as été fidèle pendant 10 ans. Pendant 10 ans, tu es resté fidèle. Bah, il a été fidèle jusque là-bas. Tu m'as jamais trompé, et j'aime ça. Hein? T'es comme avant la fin, c'était ton axe, il est disputé. Ouais, mais ça a été ouais, mais ça, pour. Voilà. C'est pour mieux se retrouver. Connerie, voilà. Quoi. C'était pour mieux se retrouver, on a parlé avec Will et t'inquiète pas. T'inquiète. Donc, ouais, non, big up à Will, moi j'ai pas voté mais Will. Parce que. J'ai pas voté Will. Parce qu'en fait, il a pas eu l'opportunité d'apporter des choses d'un point de vue administratif, gestion ou autre. Et je pense que c'est aussi des fois qu'il était fort en retrait, oui. C'est pas voilà. Une décision qui était. C'est ce qui est normal, hein. C'est normal. Il a une vie à côté, il a son gosse. Clairement. C'est tout à fait logique, mais je veux dire, pour certains, ils vont dire. Ouais mais oui il faisait pas d'activité ça. Sans songer que derrière le type il a été là pendant 10 ans, il a donné tout. Voilà, en tant que membre pur c'est Will le premier. Sinon pour moi c'est Clément. Clément c'est un soldat. Et ouais non c'est sûr. Je pense il y a très peu de monde qui savent vraiment ce que Clément a été prêt à faire pour Forum. Non, non mais il a quand même fait 3 efforts. Donc voilà ouais. Donc, bravo à lui, amplement mérité ça, c'est sûr. Tu sais Clément c'est 4 ans, 4 ans de staff. 5 50 staff qui ouais, moi j'ai quasiment tout le staff. Moi. Vous voyez la réaction qu'il a, c'est que c'est vraiment quelque chose de sincère qu'il a fait pendant 5 ans. Ah, mais lui il était sur la web avec passion. Un peu comme beaucoup, mais lui il est. Clément, discours, hein. On va conclure là-dessus. Donc, à vrai dire. Je voudrais remercier ma mère. Merci ma mère d'avoir mis au bon. Non, mais à vrai dire, ce soir, en fait, je l'aurais pas eu si au moins j'aurais pas été actif comme je l'ai été. Et si pour moi j'ai pu paraître dur par moment avec vous, ce n'est pas personnellement, c'était en tant qu'administrateur. T'as vraiment été dur. Hein. Et j'ai. Non mais. T'es gentil, mec. T'as vraiment été un bâtard. Je sais pas qui avec qui. T'es un gentil, mec. J'ai toujours essayé de prendre exemple sur Ross, même si ça n'a pas été évident par moment, parce que j'étais en fait trop gentil. Non, t'étais trop différent de Ross. J'étais trop gentil, donc du coup, tout le monde en fait m'a. On a tous profité à un moment là. Tout le monde a profité de ma gentillesse pour malheureusement alors que moi j'étais simplement administrateur mais je faisais mon travail en fait. Ah ouais mais. Et ouais non mais je vous remercie pour ceux qui ont voté pour moi. Et Mike, je sais que j'ai eu par moi entre guillemets des embrouilles avec Gus. Je le remercie pour. De toute façon il sait pourquoi. Donc voilà. Et si j'ai fait tout ça, ce n'était rien pour avoir quoi que ce soit en retour. Je l'ai fait avec plaisir, avec honnêteté et sincérité. Et je ne regrette pas d'avoir acheté la PS4. Ça, j'imagine. Ce discours parfait. N'empêche que ça veut tout dire. C'est quand même le type. Je vais pas remettre un masque. C'est quand même le type qui s'est acheté une PS4 pour le forum. Hein. Ah, mais moi, s'il pleut aussi. Non, je ne pas. Tu déconnes quoi. C'est un bonhomme, moi. Non, c'est la phrase. Non. Je ne regrette pas d'avoir acheté la PS4. En gros, je ne regrette pas. De vous avoir rejoint pour la Singevo la Well. Par contre, j'ai été déçu de voir le manque de monde qu'il y avait lors de la saison 5. Voilà.
Ah oui, il n'y a pas eu autant de manques. Et l'absence de manques, comme, surtout comme Hakim, avec qui j'avais vraiment une très bonne entente dès le départ. Donc voilà. Tu peux envoyer aussi un message à Chris qui a été ton. Mon collègue, mon bras droit depuis. Mon collègue. Collègue. Mon bras droit qui a été du coup Chris, puisqu'il m'a quand même aidé, accompagné avec du coup avec Ross, on a été les trois mousquetaires. Et Chris que je connais depuis 2011 hein, notamment. Et du coup, merci à toi de m'avoir intronisé Hall of Fame, ça m'a fait justement très plaisir. Et la fameuse connaît hein, de votre part, vous trois là. comme quoi c'est Annie qui devait se faire introduire. On peut raconter l'histoire ou ça a déjà été fait? Vas-y, vite. Ouais, ce truc, c'est qu'on voulait introniser Clément cette année-là, enfin l'année dernière, en tant que membre du OFM. Et on en a parlé à Hamid. C'est ça. Hamid, on lui a dit, bon, écoute, Hamid, on va faire une douille à Clément. Clément, on va dire à Clément que c'est toi qui es intronisé Hall of Famer. En fait, ça sera Clément. Donc, dans les discussions staff, on mettait toujours mon nom dans la liste des Hall of Famer, sachant pas seulement que c'était Clément. Il était pas prêt. Donc, heureusement qu'on t'a pris une note en fait. J'imagine pas. Donc, du coup, en vrai, pour résumer, Hamid il va le confirmer en disant oui ou ce qu'il veut. Si vous avez vu ma réaction tout à l'heure, quand j'ai vu que je te l'ai fait, j'ai eu la même réaction. Voilà, c'est ça. On est en discussion, il poste le sujet. Non, c'est même pas lui qui poste le sujet, c'est Chris qui est exceptionnellement en poste le sujet du Hall of Fame. Chris qui est en stand-by. C'est ça, on était sur Skype et tout, et du coup, Chris poste. Voilà. Faut que je le ramasse. Ouais. Tu sais, là, je fais le mec, je m'en bats les couilles, mais en fait, je vais le ramasser très vite. Pas du tout à l'antenne. Je vais le ramasser très vite. Chris poste le sujet, on est en call avec Clément. Clément, il va voir le sujet, et là, il fait c'est quoi ce bordel. Cette phrase, elle est mythique, les gars, elle est restée. Par contre, je vais un peu niquer l'ambiance. Ça me touche un peu quand même la réaction que t'as eue, parce qu'on voit que t'avais vraiment mis le cœur dans le délire. Mais pour moi, c'est aussi quelque chose de très dangereux, parce qu'on voit à quel point t'étais vraiment à fond dedans. Ça reste que du virtuel. Moi-même qui suis le fondateur, je suis le premier à dire que voilà, c'est quelque chose que voilà, si demain quelqu'un l'avait piraté, ça m'aurait fait chier. Mais tu vois, j'aurais jamais lâché une larme pour le forum, tu vois. Et Clément, je t'invite vraiment dans ta vie à vraiment voilà, redoubler d'efforts. Tous les efforts que t'as mis dans la Racing Evo, maintenant tu les mets dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu lâches pas l'affaire, mon gars. Tu sais, c'est comme DBZ, tu vois ce que je veux dire ou pas? DBZ, Sangoku, au départ, il se fait défoncer par des gars. Bah, il a pas lâché l'affaire. Il s'entraîne toujours autant pour dire. Bah, il s'entraîne tout le temps, ça va pas lâcher l'affaire. Au début de DBZ, il s'est défoncé par Yamcha, mec. C'est ça. Yamcha, mec, il se fait défoncer par un Saibana. C'est ça. Non, mais juste pour finir, dans tout et n'importe quoi, je m'investis à 100%. Et je fais ça sérieusement. Donc, en fait, pour moi, il n'y avait pas de virtuel, en fait. Pour moi, c'était. Derrière les écrans, en fait, ils étaient tous des hits quand même, ils étaient tous, voilà, des... Non, c'est sûr, mais je pense pas beaucoup, c'est vrai que c'était... Donc pour moi, pour ma part, comme je pense Ross... D'ailleurs, Hamid, moins cher. Comme pour Ross, Hamid et d'autres, moi, j'avais le respect comme si vous étiez devant moi. Voilà, c'est tout. Sauf que tout le monde n'a la patte le bon, du coup, merci Ludo. Merci Gus. Merci Ross d'avoir pris avec toi. C'est un plaisir. Ça marche. Merci à la caméra. Vraiment ton frère. Boum, t'as le mot de la fin. Tu conclues. C'est moi qui ai le mot de la fin. Allez, tu veux mettre à toi. C'est toi le dernier. Conclusion, ça a duré 10 ans et maintenant je suis enfin libre. Merci. Retraite. Retraite. On devrait t'offrir une médaille du retraité. Non, c'est bon, t'inquiète. Mais moi, c'est ce qu'on aurait dû faire. Ah oui, ok, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais vu qu'on est des bras cassés sur ce forum, on oublie tout. Mais voilà, moi je trouve ça beau que ça se termine là-dessus sur Clément. Ouais, non, c'est symbolique. Là. C'est symbolique. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en coup? On part à la musique d'Azure Style, c'est ça du coup? Ouais, on peut faire ça, ouais. Non. Restez fermés. Restez en paix. Peace. Ouais. Ah, c'est bien. Fini. Carré. Bravo en Corée.
vous avez pu voir, c'est que Clément il est vraiment hyper bien. Comment je vois le compte dans ce concept? Je vois le compte dans ce concept. Ouais, voilà.